Salut jeune Padawan. Alors, on va faire la solution de l'exercice numéro 4. Alors, l'exercice numéro 4. Ceci, je le répète, est la vue 3D. C'est la position, la vue home. Cette vue détermine l'orientation de votre pièce dans votre espace. Autrement dit, ceci, c'est le front, ceci, c'est le right, et ici au-dessus, c'est le top. Alors, j'ai vu que tout le monde avait commencé par faire cette face, enfin cette vue, dessiner le sketch de ceci. Et extruder en deux fois, enfin extruder une première fois et puis l'autre en dessous. Et moi, comme je ne fais rien comme tout le monde, je vais choisir de dessiner celle-ci, qui pour moi est plus facile. C'est plus facile à dessiner ceci que ceci. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc, cette face-ci, cette vue-ci, c'est cette vue-là. Donc, c'est la vue front. On est bien d'accord. Donc, je vais créer un sketch ici sur la vue front. Et je vais dessiner directement. On va faire directement avec les bonnes dimensions. Voilà. Je vais voir si je peux rajouter une. Mais à mon avis, c'est pas la peine. C'est bien ce que je disais. Sous-piloter, c'est parfait. Je peux supprimer celle-là. Alors, je vais tracer une autre ligne ici. D. De là à là. G10. Voilà. C'est terminé. Stop sketch. Je vais faire une première extrusion. Extrude. La pièce fait 30 mm. Je fais OK. Je vais faire afficher le sketch. Je sélectionne ce profil. Extrude. Et maintenant, je vais un peu jouer avec tous les menus qui sont ici dans la palette Extrude. Je vais définir un offset. Qui est à 5 mm. Et je vais déterminer une distance qui est de 15 mm. On est en cut et on fait OK. Voilà. Aussi simple que cela. Allez, à bientôt les amis pour l'exercice numéro 5.